Salut à tous, c'est Sartre aussi, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi ça, super. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre petite porcherie, notre petite ferme à cochons. Et donc, aujourd'hui, on va simplement s'attaquer à l'intérieur. Donc, intérieur assez basique, hein. En bas, les box animaux et au-dessus, le garde-manger. Et on passe tout de suite au tutoriel. Ok, donc on se retrouve pour le tutoriel. Et donc c'est très simple, hein. L'intérieur va être comme à peu près toutes les autres bâtiments animaux, c'est-à-dire qu'en dessous on aura les box animaux de chaque côté et au-dessus on aura simplement un garde-manger pour les animaux. Et donc on va simplement commencer forcément à séparer ces deux box, ces deux endroits. Alors pour cela, on va simplement commencer. Vous allez venir ici, vous avez vos poutres blanches et sur le devant vous allez tirer une poutre jusqu'au toit. Et vous faites pareil dans les quatre angles. Voilà, parfait. Et une fois que vous avez fait ça dans les quatre angles, vous pouvez simplement venir ici sur le bloc rouge et tirer une autre poutre, cette fois horizontalement, pour rejoindre les deux poutres comme ceci. Pareil ici. Voilà. Et dans les angles ici, pour faire la jointure entre les deux poutres, on va simplement poser un petit escalier à l'envers comme ceci, pour faire une sorte de d'arc comme ceci et comme ceci ici aussi. Ensuite, il vous restera plus qu'à simplement faire le parquet. Donc vous allez venir ici, vous allez remplir tout ce rectangle qu'on a formé entre les poutres, donc de là-bas à ici, avec des dalles de sapin. Ok, une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez séparé simplement votre étage du dessus, donc votre garde-manger à votre étage du dessous qui sera les box, on va pouvoir simplement s'attaquer à l'étage du dessous qui sera les box. Alors c'est très simple, hein, le bâtiment est symétrique, c'est que tout ce qu'il y aura ici se retrouve ici et inversement, c'est-à-dire que je vais m'occuper que du côté gauche du bâtiment et après vous ferez le symétrique de l'autre côté. Alors, pour cela, vous allez venir ici, près de la poutre, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, et sur le sixième bloc, vous allez poser un bloc de stone chiseled, comme ça, l'un sur l'autre. Parfait, vous faites pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, vous posez un bloc, et au milieu, il doit aussi vous rester 5. Ça va permettre simplement de séparer cette longueur en 3 boxes pour nos cochons. Ensuite, vous allez pouvoir rallonger vos piliers avec des murs en cobble jusqu'à la poutre et faire une autre poutre horizontale comme ceci tout le long pour soutenir pardon, la structure. Parfait. Et dans les angles, vous allez simplement pouvoir poser ici aussi des blocs. Parfait. Ok, une fois que vous avez fait votre structure, on va pouvoir simplement passer aux mangeoires. Le problème pour les mangeoires, c'est comparé aux autres tutos que j'ai fait sur les différentes autres fermes, eh bien les cochons ils mangent pas de blé, ils mangent des carottes. Et le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de bloc de carottes dans Minecraft. Alors on va simplement feinter, on va utiliser le bloc de citrouille en essayant de cacher les visages. Comme ça, si vous voyez, si on regarde que le sommet de la structure, on pourrait ressembler, que ça peut ressembler à un petit tas de carottes. Voilà, c'est une petite feinte qu'on va utiliser. Et vous allez simplement remplir sur deux de large tout le long de carottes. Comme ça, nos cochons auront à manger. Rien ne vous empêche aussi de changer un peu l'orientation des textures de votre citrouille. Faut juste pas que, en fait, on voie leur tête, sinon on voit vraiment que c'est des citrouilles. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre sur le bord de chaque citrouille des petites, comme ceci, des petites, comment ça s'appelle? Oui, des trappes en fer tout le long pour simplement garder les carottes en place. Ce sera votre garde-manger justement, comme ceci. Voilà, parfait. Et pour les lever, il suffira de creuser un trou ici et de remplacer sous toutes les citrouilles avec des torches de redstone comme ceci tout le long. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Ok, une fois que vous avez fini vos petits mangeoires à carottes, on va simplement pouvoir s'attaquer aux abreuvoirs qui feront simplement le découpage entre les trois différents boxes. Alors pour cela, c'est très simple, vous allez venir face à un pylône et vous allez casser ces trois trappes-là. Puis vous allez simplement tirer comme ceci une ligne. Je viens de voir que cette citrouille n'est pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Parce que si la citrouille est simplement dans ce sens-là, on voit la tête, donc c'est pas une bonne idée. Donc voilà, vous tirez une ligne comme ça. Là, vous mettez un escalier dans ce sens et vous tirez juste de l'autre côté. Et dans le fond, parce qu'il y aura l'eau qui va recouvrir, on peut cacher un peu des lumières comme ça, ça éclaire notre ferme discrètement. Donc j'ai mis des lanternes et vous pouvez après y mettre de l'eau. Et ça vous fait un petit abreuvoir pour vos cochons et vous faites pareil ici. Ok, une fois que vous avez fini vos petits abreuvoirs, vous allez simplement pouvoir poser des barrières pour éviter que les animaux s'enfuient.
Alors, simplement, vous posez des petits barreaux tout le long ici, comme ça ils ne peuvent pas courir loin. Parfait. Et pareil dedans, entre les différents box, pour pas qu'ils puissent changer de box, vous allez poser ici au milieu des barrières, pas sur le bloc d'eau, non, justement pas. Donc tout le long, comme ceci. C'est un peu tricky à poser, mais ça passe. Comme ça, ils peuvent pas changer de box, mais ils ont quand même la place pour boire au milieu. Et vous faites pareil ici, simplement. Comme ceci, voilà, c'est assez galère à poser, mais ça va encore. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vos box sont prêts. Vous pouvez simplement les décorer. Donc sur ces blocs ici, vous pouvez poser des petits blocs de décoration. Par exemple, un petit seau comme ça. Ou une petite houe pour faire genre que c'est de la ferme. Et aussi, ce que j'ai oublié avant, c'est que sur les blocs ici, vous pouvez poser des petits boutons, simplement, pour ajouter un peu de détail. Ensuite, pour augmenter le réalisme, simplement, on va pas laisser de l'herbe là au fond. Donc vous pouvez simplement aller dans chaque box, en random, mettre un peu des chemins, comme ça. Donc vous cliquez un peu n'importe où. Vous pouvez aussi ajouter de la cross dirt, pour rendre le truc un peu plus sale, comme ceci. Et même du puzzle, comme ça on a vraiment l'impression que les cochons... Bon, ça touche dans la boue et ça donne un effet quand même bien plus réaliste, comme ça. Et vous faites quelque chose comme ça dans tous les box et on se retrouve juste après. Ok, une fois que vos box sont terminés, il vous reste plus que simplement à ajouter des petits cochons là au milieu. Mais si vous êtes comme moi et que vous voulez pas surcharger votre monde d'entité, on peut simplement construire des cochons. Alors pour construire des cochons, c'est très simple. Vous mettez simplement deux blocs de laine. Vous mettez un petit tapis de laine au-dessus pour faire... la tête qui ressort, vous posez un petit bouton pour son groin, et une petite queue au bout, et ça vous fait des petits cochons qui bougent pas et qui vont pas venir vous emmerder, et vous pouvez en faire un peu comme ça, un peu partout, donc par ici aussi par exemple, on en refait un avec ici sa petite tête, parfait, et vous pouvez meubler comme ça vos box. Ok, donc une fois que vous avez fini simplement un des box, je vous invite simplement à recopier celui-ci de l'autre côté, comme je viens de le faire. Et aussi, par la même occasion, simplement, de remplacer votre sol avant qui était de l'herbe ou n'importe quel bloc par une sorte, vous voyez, c'est un mélange de gravier, de stone et d'andésite. C'est la même chose qu'on fait toujours sur les routes. Hein. Donc, je vous invite à faire ça pour donner un meilleur aspect à votre bâtiment. Ok, donc, maintenant qu'on a fait le rez-de-chaussée, bah, on va simplement faire l'étage d'au-dessus. Alors, pour l'étage d'au-dessus, bah, faut déjà un moyen d'y monter. Du coup, on va simplement poser une petite échelle comme ici, donc avec... des petits barreaux comme barrière pour s'y tenir. Et une échelle qui monte tranquillement jusqu'ici en haut. Parfait. Comme ceci. Parfait. Ici en haut, on va pouvoir mettre tout d'abord des petites trappes. Donc une trappe au milieu, ici. Ce sera des petites trappes qu'on pourra ouvrir pour jeter la nourriture depuis le grenier dans les trucs à manger, simplement. Donc une ici au milieu. Une, vous allez la faire ici à 1. 2 et 3e bloc, vous cassez. Pareil de l'autre côté, donc là ça sera 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et ici, vous cassez. Oula, attendez. Je suis en train de faire n'importe quoi. Donc 3 ici et 3 ici, puisqu'il y a aussi la chose. Donc ici aussi. Pareil de l'autre côté, vous comptez 3 blocs. Vous posez un petit truc. 3 blocs, un petit truc. Parfait. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre vos escaliers de spruce et vous allez simplement faire tout le côté. Vous allez remplacer, où il n'y a pas de petits trucs comme ça, vous allez remplacer par des escaliers. Ok, une fois que vous avez fini de mettre, en fait, on va dire que c'est un peu plus ou moins mettre la texture à notre parquet avec ces petits trucs pour envoyer notre nourriture en bas, on va pouvoir s'attaquer simplement à cette zone. Parce que vous voyez, cette zone n'est pas forcément visuellement très belle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement suivre le tour du toit, mais avec du quartz. C'est très simple, vous venez, vous faites touc, tac, touc. Ici, vous cassez, c'est pas un problème. Voilà, pareil ici. Là, 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 là. Pour faire simplement le contouring du toit, sans problème. Ensuite, vous voyez cette ligne d'escalier qui rentre dans le mur, c'est pas très beau. Donc on va simplement remplacer cette ligne d'escalier par une ligne rouge. Donner un peu plus de beauté à la chose, comme ceci, parfait. Et vous pouvez simplement faire pareil de l'autre côté. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement pouvoir rajouter des poutres, juste pour une question de réalisme, pour faire en sorte que le toit tient mieux. Alors vous allez venir au-dessus de votre petite
trap, vous allez monter ici, vous allez casser ce bloc et tirer une poutre jusque à l'autre toit. Pareil au-dessus de ces dalles, vous allez venir casser le premier bout du toit et traverser toute la salle. Et pareil ici, casser le premier bout du toit et tirer vos poutres. Comme ça, ça va donner un petit effet. Ensuite, grâce à ces poutres, on va simplement éclairer notre grenier qui est un peu sombre pour l'instant. Alors vous allez venir au milieu de votre poutre, vous allez descendre de deux barrières. Vous allez faire en dessous une croix de barrière comme ceci. Et au-dessus, vous allez mettre des petites bougies pour faire comme si c'était un chandelier. Et vous allez faire cette sorte de lampe sur les trois poutres. Ok, donc j'ai fini les petits éclairages et on voit que ça commence à avoir de la gueule, hein, notre petit grenier. Il ne reste plus qu'à simplement faire les garde-manger. Alors les garde-manger, on va simplement les faire sous les deux côtés, donc sous ce toit-là et sous ce toit-là. Donc je vais faire celui qui est ici. Je vais enlever cette lampe déjà parce que c'est la lampe que j'avais mis avant. Donc vous allez prendre vos poutres, toujours en bois noir, et vous allez partir du pylône ici, et vous allez la faire traverser jusqu'au mur. Pareil, du pylône ici, vous allez faire traverser ici jusqu'au mur. Et entre deux, vous allez simplement remplir deux petites dalles comme ceci. Ok, donc une fois que vous avez terminé votre petit mur, enfin mur, parquet ici, on va avoir une petite salle comme ça assez basse où on va pouvoir mettre notre manger. Mais tout d'abord, on va mettre des petites barrières pour protéger notre nourriture des rats. Alors, vous allez simplement venir ici, poser une barrière noire, un petit portail, une barrière noire, un petit portail, une barrière noire, un petit portail, une barrière noire, et ça vous fait la protection. Et ensuite, il vous restera simplement plus qu'à remplir votre petite garde-manger de carottes, donc de citrouilles hein, pour le coup. Comme si totalement random, vous faites des tas de carottes, voilà, tac, 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 juste qu'on ne voyait pas les têtes depuis le milieu, tac, tac, voilà. N'hésitez pas par la même occasion de. On va essayer de mettre une là, voilà. De cacher des petites torches derrière, comme ceci, pour ajouter un peu de lumière. Parfait. Et donc voilà, notre petite garde-manger est terminée. Vous faites simplement la même chose de l'autre côté, et on se retrouve juste après. Ok, et donc on se retrouve avec les shaders, car oui, dès que vous avez fini votre petite garde-manger, et ben votre décoration est terminée. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein. Ça donne vraiment plutôt pas mal avec Shader, ces petites lampes là, qui donnent un certain style à la baraque. En dessous aussi avec nos petits trucs, avec nos petits cochons, hein. Une petite porcherie. Et du coup j'espère que ces deux vidéos sur la porcherie vous auront plu. En tout cas moi ça va plus de les faire. Et sinon, ben, faites ce que vous avez à faire, que ce soit partager, aimer ou commenter la vidéo. Et sinon, on se dit à la prochaine. Bye bye!